pas l'imaginer. Et le temps qui défile, David, 35 secondes encore. 35 secondes pour David, pour Steven Da Costa, pour être champion olympique. Très bien. Voilà ta jambe, ton spécial, c'est bien ça. Le temps défile, 3 secondes, il est champion olympique. Il est champion olympique. Oui, je crois qu'il l'est. Il a mis 3 points de plus, le Français. Il ne Attention. Pourra pas être pris. On va lui donner. Mais oui, il marque. On lui donne, évidemment. Il y a une pénalité. Et bien sûr que non. On sait jamais. Et ça y est, le Français Steven Da Costa. Champion olympique. Champion olympique. Oui, monsieur T'es Da le meilleur Costa. Steven. Oui. Tu l'as fait, c'est notre porte-drapeau aujourd'hui. Steven Da Costa vient de rentrer dans l'histoire. Regardez sa signature. Elle fait son signature, le. On appelle ça comment? Un triple salto arrière. Ils ont fait une très grosse impression au tournoi pré-olympique. Une magnifique panier à 3 points. Thomas Hurtel pour Mustapha Fall. Vas-y mon grand, 2 points de plus. Oukabaro. Nando De Colo, il est en rythme. Et ça paye. Sur l'extérieur, 3 points, Oukabaro. Rebond. Il est quel joueur. D'autres responsabilités. Oh, la passe laser. Et ça marche, on continue. Cornelli qui prend sa chance. Ouais, et pourquoi pas. Il est capable. Son pirate. Et le match est quasiment terminé. Voilà qui est fait.
En deuxième rideau, Mustapha Fall. Et voilà, et même voir là. La volée, hop là. Ouh, ah, c'était compliqué, magnifique, l'action du match pour l'instant. Batum à 3 points. Et vous avez vu le chrono défile, on fait comme en NBA, on ne joue plus les dernières secondes. Vous allez l'entendre maintenant, le buzzer. De Colo en tête de raquette, allez, la balle pour Rudy Gobert. Voilà comme on aime voir Rudy Gobert en équipe de France. Il y a déjà 4 balles perdues, hein. C'est quand même beaucoup. Evan Fournier dans son aile. La balle à Nicolas Batum qui va aller au bout. Quelle détente. Attention à ses Fall en défense contre un joueur beaucoup plus rapide. Il a du mal, mais il le bâche par derrière. Il est capable de marquer. Là, en revanche, il y a une interception et c'est Fontecchio qui va conclure. Contré. Contré par Nico Batum. Face à Tonout. Il va aller au bout, Evan. Avec la planche et les mains de Rudy Gobert. Fournier qui va y aller seul. Ouais, c'est bien joué de la part de Evan Fournier. Balle. Il poursuit son action, Nando. La passe à Rudy Gobert. Voilà, quand c'est simple basket, ça paye. Nando De Colo qui va aller au bout. Et Nicolas en deuxième lame qui conclut. Magnifique. Ah. Touché. Bien joué. Et voilà. Nommé meilleur défenseur de la NBA. Il sait attaquer le cercle, la preuve. On ressort pour Evan Fournier. 3 points supplémentaires pour la France. Et pour Rudy Gobert, ce ballon. Il faut le chuter, Nico. Ça sera pour Nico Batum, le dernier possession, juste avant le buzzer. Il est monstrueux dans ce match, Nicolas Batum. Position de Colo. Allez, Luau Cabarro. Il fait du bien, celui-là. Il fait du bien, ce tir à 3 points. Presque tout fait. Et Nicolas Batum. Vous avez dit que ça serait serré, mais on pensait pas que ça serait à ce point-là. Allez. Oui. Une autre possession pour l'Italie. Allez. Et Gobert, oui. Le smash. La preuve. Rebond importantissime de Nicolas Batum. Rudy Gobert. Et c'est fini. Et c'est fini quasiment à 8 secondes de la fin. La France est en demi-finale olympique. Yes. Et les Français toujours aussi sereins, ils ne s'excitent pas, ils savent quel est leur objectif. Eh bien, c'est le prochain match. On supporte à fond cette équipe de France. Allez, Rudy Gobert, un entre deux. Les Français en maillot blanc, bien sûr, vous l'avez deviné. Luka Doncic, attention de ne pas commettre des fautes. Voilà qui est bien le premier contre de Nicolas Batum. Ah, avec une succession d'écrans, il est dans un fauteuil, il faut les mettre. Voilà qui est fait. Tanchar, il va y aller seul. Bien les longs bras de Rudy Gobert. Allez, les Slovènes dans la pénalité. Ce serait bien qu'il mette ses paniers, c'est bien. Voilà. Voilà. Ce serait bien qu'il attaque le cercle un petit peu pour faire des fautes à Toby. Voilà. Il cherche Tchanchar qui est tout seul. Contré. Oui, contré par Rudy Gobert, yes. De 10 secondes. Et oui, 3 points supplémentaires. De Colo en tête de raquette qui poursuit son effort, qui décale. Batum, Batum pour Evan Fournier, 3 points. Pour Rudy Gobert, smash-moi ce ballon, Rudy. Timothée Louaou Cabarro, c'est dedans. 3 points de Timothée Louaou Cabarro. Un shoot importantissime. Le rebond pour Luka Doncic qui a la balle de match dans les mains. Si la Slovénie marque, la Slovénie gagne le match. Doncic face à Rudy Gobert. Luka Doncic au pré-pénic. Pas de faute. Contre de Batum. Le contre de Batum. On a gagné. On a gagné sur ce contre de Batum. La France a gagné, Richard. On est en finale. On est en finale. 90-89. Incroyable fin de match. Précisément. Voilà, c'est bien. C'est très 3 bien. Points par Evan Fournier. Thomas Hurtel, c'est dur ce shoot. Il faut shooter, les gars. Il reste 2 secondes. Allez. Oui, oh. Excellent cette séquence de passe. Incroyable. Voilà le système. Ne descend pas la balle. C'est ça. Voilà, accordez, s'il vous plaît. Ce pas en arrière de l'espace pour assurer ces 2 points. Voilà les 3 points que j'attendais. On va rechercher peut-être Gobert à l'intérieur. Il a 3 secondes. Il est obligé de prendre le shoot, Nando. Il a changé de main, magnifique. C'est compliqué, il n'y a plus d'espace. En voilà un petit peu, il faut mettre ses paniers. On n'en a pas trop, parfait. 2 interceptions, 1 contre. Allez, shooter. Batum, comment marquer un panier en moins de 2 secondes 4. Et les Américains, ils leur remettent la pression. Il est loin, il tente, pourquoi pas. Frank Nilikina. Et la France revient, Richard, 3 points. Allez, il faut prendre des risques maintenant.
Oui, il sait le faire, ça, Nando. Nando de Colo, qui sert derrière, Nilkina. 10 secondes, c'est fini. Les Américains vont arrêter de jouer. Les Américains arrêtent de jouer. C'est terminé sur cette victoire américaine. La France se contente d'une très très belle médaille d'argent. Il y a 21 ans, la France s'inclinait de 10 points, 75-85. Et bien cette fois-ci, Richard, il n'y a que 5 points, 82-87. Énorme match des Français. Mais ça n'a pas... Allez Jean, la médaille d'or, peut-être. 5 balles. Là, il n'en manque pas grand-chose. Là, pour il une médaille vraiment d'or. Pas grand-chose. C'est parti. Bon rythme. Champion olympique. Il est champion olympique. Extraordinaire, Jean. 4 sur 5. 34, c'est un très joli score. 34, oui, ça devrait suffire. On va attendre tout de même un le coup sûr. On ne peut pas le rattraper. On ne peut pas. Magnifique, Jean. Il reste quand même sur impassible. Un titre de champion d'Europe. La Coupe du Monde est là. Il a enchaîné trois grosses finales. Son année. C'est son année 2021. Pour l'instant, il est allé au bout de son rêve. Il est champion d'Europe. Il est médaille d'argent garantie. Un poupeau ne peut pas l'attraper. Tire pour l'honneur. Il ne tire que pour l'honneur. Il fait deux. Un score catastrophique pour le Cubain qui termine par un score de deux. Ah Jean, magnifique. Et Jean qui comprend. Son rêve. Il l'avait annoncé. Allez, les voici, Hugo Boucheron, Mathieu Androdia. C'est la course de leur vie. Ils ont tellement galéré pour en arriver là. Ils se forment, ils nous ont montré sur la demi-finale que même s'ils étaient derrière, ils ne s'affolaient pas. Et c'est parti. Ils ont voulu rester dans leur bulle, les Français. Et au premier 500, ils sont devant. Ouais, les trois bateaux qu'on attendait sont au rendez-vous. Chine, France, Pays-Bas. Championnat d'Europe avec un petit peu de pointe devant. Et puis les Français qui, à partir de maintenant, sont allés les chercher. Ça, et là, ils vont le faire. Ils sont dans le rythme. Ils ont monté à 40. Allez, Hugo Mathieu, le rêve de médaille d'or est à portée de bras. 200 mètres maintenant, mais on lui va rattraper. On fait un coup. Allez, les gros. Ils vont les avoir. On repart. On va au bout. Là. Champion olympique. Incroyable ce finish, les Français. Bravo pour l'aviron français. C'est génial ce qui vient de se passer ici. Allez. Il est bloqué. Rien ne va plus pour l'équipe de France qui ne possède plus qu'une touche d'avance sur le Japon. Oh ! Ouh là 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 ! Je ne sais pas comment le japonais a fait pour ne pas allumer. Allez, parade. Allez, tu vas y aller. Il faut défendre. Simple vers l'avant. Oui, elle y est. L'équipe de France est en finale des Jeux Olympiques. Erwan Le Péchou, incroyable. Réponse de droite, touche point. Allez, on continue. Et c'est bien la contre-riposte de Julien Mertin qui touche. Allez, faut défendre. Il peut plus reculer, Enzo Lefort. Et il touche. Allez, la riposte là. Voilà. Et ça fait 15 touches à 8 pour l'équipe de France. 17, 13, 25 secondes.
Allez, ah, c'est magnifique poste, là. Enfin, au corps enfin. À corps. Bien fait ça, Enzo Lefort. Il ne s'est pas avancé trop fort avec ses jambes. La France, 24-18 dans cette finale. Allez, la parade encore. Et il repart de l'avant, le Français, magnifique encore. 25-18. Allez, la spéciale Enzo Lefort. Oh là 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 là. Allez, la parade. Allez, il s'est bien poussé ça pour Julien Mertine. Allez, encore une pour passer. Parade riposte du Français. Avec 12 touches parade d'avance. L'attaque touche. Arrête, arrête touche. Point. Attaque touche. Point. Tous les deux. Tous les deux. Salut. Halte contre attaque touche. Point. Halte, attaque séparée et la riposte touche point. Halte, attaque et contre-attaque, attaque de droite touche point. Halte. Halte, attaque de droite touche point. Allez, attaque sur la préparation. Ils sont champions olympiques. Fabuleux. Une grosse victoire, un gros match dans cette finale face à la grande Russie. Et voilà l'équipe de France de Fleuret qui décroche ce titre olympique.